Salut à tous, c'est Maconnor Minou et aujourd'hui je suis très 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 excité puisque je vous présente le premier épisode de mon nouveau let's play. Et ce let's play, c'est sur Pokémon Éclat Pourpre. Éclat Pourpre, c'est une version hackée de la ROM, rouge feu, vert feuille. Et donc là, c'est pas, alors là, je vous préviens, c'est pas de la ROM de tapette, c'est pas de la ROM à la cristal bleu avec un ou deux trucs de changer. Là, c'est vraiment une ROM de fou. Il y a eu un boulot de fou. Et en fait, à la base, je ne pensais vraiment pas redémarrer un nouveau let's play, tout de suite en tout cas. Et puis je suis tombé en recherchant la suite, je suis tombé sur celle-là. J'ai vu des screens et c'est un truc de malade. J'ai eu envie d'y jouer tout de suite, alors j'ai téléchargé, j'ai joué. Alors, je vous rappelle, l'émulation, jouer sur émulateur, c'est pas légal, sauf si vous possédez la cartouche d'origine. Là, c'est un peu spécial puisque c'est une Acrom. Mais bon, voilà, ayez quand même ça à l'esprit. Et donc, ce que je voulais faire, Crystal Bleu n'est pas encore terminé, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est d'interagir un peu plus avec vous. Donc, Crystal Bleu, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement envie de jouer que dans la foulée, j'ai enregistré des tonnes et des tonnes d'épisodes. Plusieurs épisodes par jour. Et après, je les mets en ligne au fur et à mesure. Le problème, c'est que dans les commentaires, vous réagissez. Et que dans les commentaires, des fois, vous me demandez des choses. Vous me posez des questions. Et voilà, c'est déjà joué, en fait. C'est déjà... Je peux pas changer. Donc, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous continuer, là, à peu près, en ligne. On a à peu près la moitié de Pokémon Diamant. Enfin, de Pokémon Cristal Bleu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vous envoyer, au fur et à mesure, les épisodes tournés sur Cristal Bleu. De toute façon, c'est joué, les jeux sont faits, comme on dit. Et puis, par contre, sur ce let's play, Pokémon Éclat Pourpre, qui a l'air vraiment, vraiment dantesque, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire épisode par épisode. Je vais faire un premier épisode aujourd'hui, je vais attendre les retours, les commentaires, vos suggestions, et je les appliquerai. Ce sera plus fun, et à la base, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour interagir avec d'autres personnes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je joue tout seul, et je m'emmerde pas à faire les montages, et à mettre en ligne, à faire des miniatures et tout ça. Donc, pour vous situer un petit peu l'épisode, j'ai pris un petit résumé là à côté. Alors toujours, hein, c'est pas vraiment de la pub que je fais parce que j'ai aucune portée. Mais voilà, moi je vais toujours sur Pokémon Trash. C'est là-dessus que je trouve la plupart de mes infos. Et c'est là-dessus que j'ai trouvé cette ROM. Donc, alors la région est submergée par une vague de crimes. Une organisation du nom de Team Rocket, la fameuse Team Rocket, procède à des enlèvements de masse de Pokémon créant une panique sans précédent. Alors oui, apparemment, la ROM est un peu plus dark que le côté un petit peu enfantin des versions Pokémon classiques. Donc, c'est super. Moi, j'ai vraiment hâte. Donc, je continue. Les forces de police mettent tous les moyens en œuvre pour mettre fin à cette période de répression. Mais l'organisation des criminels est telle que cela s'avère insuffisant. Certains dresseurs décident donc de faire face à la Team Rocket par leurs propres moyens, mais sans réel succès non plus, et ce, malgré la réussite de certains à contrecarrer quelques plans de l'organisation. C'est ainsi que pour renforcer les dresseurs et pour éviter de centraliser les Pokémon dans les laboratoires ou les centres, une mesure a été mise en place consistant à équiper tous les dresseurs jugés aptes à se battre d'un Pokémon pour se défendre. Cela sera-t-il suffisant pour mettre fin à la période de troubles qui règne au sein de la région? C'est assez fun parce que ça fait un petit peu... Enfin c'est assez fun, c'est assez fun, c'est moi qui suis fan. Ça fait un petit peu vraiment dernier... Ça fait un peu genre anarchie et... il ne peut y avoir qu'une personne pour sauver le monde, et puis bien sûr, ça va être moi. Donc, on va aller jouer. Encore une fois, je ne me suis pas spoilé, j'ai lu la présentation, j'ai regardé les screens. Je n'ai aucune idée des Pokémon qu'on peut avoir en premier choix. Je n'ai aucune idée des arènes, je n'ai aucune idée de l'histoire. Apparemment, ça n'a aucun rapport avec Rouge, Feu, Vert, Feuille. Enfin, il y a sûrement des références, hein, c'est dans l'univers de Pokémon. Mais apparemment, tout a été refondu, et c'est vraiment... moi, j'ai vraiment hâte. Parce que ça, démarrer un nouveau jeu, c'est toujours quelque chose. Donc, pour les générations, alors je crois que ça va jusqu'à la génération... Je regarde vite fait pour pas dire de bêtises. Où c'est que ça peut être marqué? Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on va jouer tout simplement comme ça. Donc, alors, c'est parti, une super intro. Allez, on y va. A savoir aussi que je vais suivre vos avis, à savoir que Pokémon Cristal Bleu, je vais continuer mon format d'épisode à peu près une demi-heure. Là, je vais baisser, je vais rester sur du 20-25 minutes. Là, peut-être que je ferai exceptionnellement un épisode d'un peu plus long, puisque je viens déjà de parler pendant 5 minutes. Et que du coup, on va pas compter ça comme de l'aventure. Donc, c'est parti. Alors, version Éclat Pourpre. Donc, le jeu est sorti, il est totalement fini. Apparemment, il n'y aura plus de mise à jour, c'est fini pile poil. Il a été fini en 2015, apparemment il a été démarré en 2012. Donc il y a vraiment eu un taf de fou.
Donc, c'est parti. Bon, ça c'est les intros. Bienvenue sur le jeu Pokémon, vous allez vivre une aventure inédite dans un jeu entièrement remanié. Une toute nouvelle région ainsi que de nombreux dresseurs vous attendent. Vous retrouverez également certains personnages emblématiques de la série rencontrés dans les précédents opus. Alors appuyez sur le bouton A, on appuie sur le bouton A. Toujours, hein, réagissez dans les commentaires, donnez-moi vos avis, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Ce sera beaucoup plus fun à chaque commentaire. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Nathalie Redoux. Nathalie Redoux, ok. Votre journaliste sur Channel 6. Ceci est un flash info de la plus haute importance à propos de la récente vague de crimes. À la Kazam. Ah ouais. À la Kazam, ça cause déjà, c'est plus le petit Evoli du professeur Chen. Grâce à notre Pokémon, nous avons pu nous infiltrer dans un repère désormais abandonné et nous avons pu récolter des informations sur ces terribles vols de Pokémon. Nous n'avons cependant aucune certitude quant à l'objectif de ces criminels. Nous interviewons actuellement un jeune dresseur de Pokémon qui a obtenu un Pokémon pour se protéger, en accord avec la nouvelle mesure d'autodéfense. C'est marrant, ça fait un petit peu genre une loi, vous savez, une loi, la loi de la dernière chance. Ah, j'aime beaucoup. Ce jeune dresseur originaire de Bourg-Ivière, donc sûrement notre bourg de départ, se nomme. Alors ça va sûrement être notre rival. Donc le rival, on va l'appeler comment notre rival? Eh ben on va l'appeler... c'est con qu'on n'ait pas eu des choix pré-enregistrés. Ça aurait évité de me casser la tête. Allez, on va l'appeler Maurice. Ok. Certains dresseurs, quant à eux, ont déjà croisé et vaincu certains de ces individus nuisibles. Nous avons ici un jeune dresseur ayant déjà vaincu ces individus. On a Maurice. On va l'appeler Robert. Ça fait un moment que j'ai pas joué un jeu sur émulateur GBA. Donc c'est plutôt marrant. Enfin c'est plutôt marrant, c'est différent. Je peux plus trop utiliser la souris pour sélectionner mes noms. Je conseille à tous les dresseurs de rester sur leur garde. Ces voleurs sont nombreux, mais individuellement, ils ne sont pas très forts. Ceci conclut notre émission. À vous les studios. Ouais, merde, en fait Maurice c'est moi, ok, super. Bah Maurice, j'aime bien ce prénom, donc ça tombe bien. C'est pas trop grave. Alors les options, vitesse, on va mettre un peu plus vite. Hein. Animation de combat, oui, style de combat. Bah, c'est comme ça. Pas quelque chose de violet. C'est pourpre normalement. Allez, c'est bon. Là-dessus. Donc Maurice, on va voir comment il fait un petit peu, qu'est-ce qui a changé. Donc les badges me disent rien, ça a l'air d'être du nouveau. Argent, ok. Le sac, comment il fait le sac? Oh, j'aime bien. Et le Pokédex. Ben, on n'a pas de Pokémon. Vous êtes dans votre chambre en train de contempler la Pokéball de votre Pokémon récemment acquis. Votre choix s'est porté sur le Pokémon de type feu. Ah, d'accord, on peut avoir accès à tous les starters des 3 premières générations. Donc, ce qui veut dire sûrement que les 3 premières générations seront intégrées dans le jeu. Je pense pas qu'il y ait les autres. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà un sacré choix de Pokémon. Donc, qui allons-nous choisir? Alors, en réflexion, je vais boire mon petit coup habituel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Pokémon que j'ai le moins joué. Bon, la première génération, je les ai déjà fait et refait. Un peu moins Bulbizarre, mais quand même, je trouve qu'elle est un peu moins intéressante. Après, j'ai joué beaucoup à Pokémon Rouge Feu Vert Feuille et à Émeraude. Ruby Saphir, tout ça. Je suis très troisième génération et je les ai à peu près tous joués aussi. Donc, ça va se jouer sur la deuxième génération. Alors, celui que j'ai vraiment spammé en boucle, c'était Kaiminus, puisque je suis un gros fan d'Alligator. Donc déjà, ce sera pas le type O. On va partir plutôt... J'hésite entre Hérissandre et Germignon.
Germignon, j'ai un peu de mal. Donc on va partir sur Harrison. Non. Allez, Harrison. On me demande pas de le nommer, c'est bizarre. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc, la team Rocket est chez moi. Ferme-la, bon sang, espèce de morue. Oh putain, eh oh, insulte pas ma mère, toi, je vais te défoncer. Et toi là-bas, dépêche-toi d'embarquer ce Pokémon. Le boss a besoin d'un grand nombre de... Putain, ce gosse est là. On chope ce Pokémon et on se tire. Eh les gars, c'est un Mélophée, il sert à rien, c'est rien, Mélophée. Alors déjà, il nomme les Pokémon bestioles. Alors, on va être très copains parce que... J'aime bien appeler les Pokémon bestioles. Maman, ça va? Qui étaient ces gens? C'est vaut rien au plus le Pokémon de ton père! T'en fais pas, je vais rattraper des... Ah, c'est marrant parce que dans les autres, dans les jeux, on n'a pas notre héros qui parle. Donc c'est marrant. T'en fais pas, je vais rattraper ces ordures et je vais récupérer le Pokémon de papa. Je te le promets. Ce qui est pas trop crédible parce que c'est peut-être pas ce que j'ai envie de dire du tout. J'aimerais bien aussi avoir tombé sur un jeu où on puisse être les méchants. Faire partie à Team Rocket, ce serait tellement classe. Ok, donc là, honnêtement, le paysage est super classe. Avec des roues carnage qui volent comme ça. C'est super beau. Alors, salut tout le monde, je suis le spécialiste des noms. Dis-moi, c'est pas un petit nom de Pokémon? Eh bah génial! Je voudrais pas que je lui donne un nom un peu plus mieux. Alors vu que je suis toujours une grosse bite en prénom, en surnom, comment on va l'appeler? À la fin c'est Typhlosion, c'est un espèce de gros rat en feu. Allez, on va pas se faire chier, on va l'appeler Brazero. Brazero. Un petit côté Zoro. Très bien, à partir de maintenant, ce Pokémon sera surnommé Brazero. C'est mieux qu'avant. Carrément. Alors, le petit Roucoule, là. Ce Pokémon sauvage semble vous ignorer. Il vaut mieux le laisser. Eh ben, laissons-le. Ok, un petit escalier. Une boîte aux lettres. Donc déjà, dès le début, on a les chaussures de sport. Et ça, c'est cool. Enfin, les chaussures de sport. On peut courir, quoi. Le Roucoule, je suis bête. On l'a déjà vu. Une petite vieille. Ok, et toi tu me dis, je m'ennuie tellement, j'ai pas de copains, t'as pas de potes, tant pis. Alors on va se balader un petit peu. Alors, c'est assez déroutant parce qu'on a, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, de l'aventure, des villes, ou même des gens à affronter. Donc là c'est le professeur Philao. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à cause de ces bandits de la Team Rocket. Je ne peux pas faire grand chose pour le mettre la main dessus, mais je peux au moins soigner tes Pokémon si tu veux. Ok. Pardon. Donc, lui, il nous soigne les Pokémon. Alors, où allons-nous aller? Mon mari, le professeur Philao, passe ses journées dans son labo. Si bien qu'il n'a plus besoin de participer à la région, sa carte, lui, est donc devenue inutile. Eh bien, donne-moi la carte. Faut que je la prenne sur la table, peut-être. Tu dois partir à l'aventure, prends cette carte, elle te sera peut-être utile. Ce n'est pas grand chose, mais je souhaite t'aider si tu vas explorer seul la région. Ça roule. Je n'ai pas la force de leur courir après. D'accord. Le petit Roucoule que je ne voulais pas déranger. Bonjour. Vous avez vu le... Le cadre de conversation a changé et c'est beaucoup plus fun comme ça. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors qui c'est? Tiens toi, t'aurais pas vu deux types louches habillés en noir dans le coin? Ça fait un petit moment que je le suis, mais je les ai perdus de vue récemment. Pourquoi tu veux savoir ça? T'es avec eux? Regarde bien, je ne porte pas l'uniforme. C'est assez déroutant hein, que ce soit un dialogue et que nous parlions aussi.
pense plus rationnellement, si j'étais avec eux, je ne demanderais sûrement pas à un inconnu où sont mes complices. Avant de répondre, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Myst, et je traque ces sbires depuis un moment. Comme j'ai déjà dit, il s'agit en fait de membres d'une organisation criminelle, la Team Rocket. Hop hop hop, parototo. Récemment, ils se sont mis à être très actifs dans la région, et ils se sont mis à voler des Pokémon de toutes les races. J'ignore encore pourquoi, mais je suis sur le point de le découvrir. Alors, au début, je trouvais ça plutôt cool, mais je trouve ça... Quand je disais que c'était déroutant, c'est parce qu'en fait, le fait de se voir parler... On n'a pas l'impression d'être vraiment acteur, on a vraiment juste l'impression d'être spectateur. En fait, on lit quelque chose de prédéfini. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Après, le jeu est super, hein. Il est vraiment super. Mais je trouve ça un peu dommage. Ça, on n'a pas l'impression de d'être acteur, quoi, simplement. Eh bien, on va dire que j'essaie de les empêcher de nuire. Considère-moi comme un Gemen Pokémon, à l'instar de Peter. Un Gemen ? Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, j'ai peut-être loupé un truc dans les épisodes, ça ne me dit rien. Ces mecs ont volé le Pokémon de mon père. Un Melodelph. Ah, je crois que c'était un Melofée. Et j'ai la ferme intention de le retrouver coûte que coûte. Les chances de retrouver ton Pokémon sont minces. Le gars super optimiste. Optimiste, merci, c'est super sympa. Alors là on voit un petit Rattata dans les herbes, je me demande si on peut l'attaquer. Oh bah c'est nul. C'est nul. Un combat. Une canne, d'accord. On a la canne dès le début. Alors, Zigzaton, ok. Alors dans Crystal Bleu, je gueulais après les Kenotor. Mais voilà, Zigzaton, c'est vraiment quelque chose. C'est dans la même zone. Je la classe dans la même catégorie, mais il est moins insupportable, quoi. Alors, bras 0 à charge, c'est pas énorme. Alors, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé de faire des let's play sur la 6ème génération. Donc, XY, tout ça. Le problème, c'est que ça demande. Enfin, on peut pas tourner ça sur PC émulateur, les émulateurs bug de trop. Et donc de toute façon, la seule solution c'est de faire ce jeu, comme par exemple pour les futurs Sun and Moon, sur Nintendo DS, et de capturer la vidéo avec une capture card, là, quelque chose qui au passage coûte assez cher, mais vraiment vraiment assez cher, quelque chose que je peux pas me permettre pour le moment. Donc je suis un petit peu dégoûté, et j'ai peur de pas pouvoir réussir à faire le let's play que je voulais faire sur Sun and Moon à la sortie. Donc voilà, je papote et je me fais niquer. Ça tombe bien, on va voir comment ça se passe. Donc on perd de l'argent, ok. Non, ici, hors jeu. Donc voilà, hein, la capture board là, elle est. C'est dans les 400-450 euros. Pour l'avoir avec. Avec la 3DS de capture. Donc ça, ouais, c'est un petit peu hors budget pour moi à l'heure actuelle. Si vous savez pas ce que c'est, vous cherchez un petit peu sur internet. Il y a Galius qui a fait une super vidéo où il explique comment il capture ses vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. Il explique vraiment tout. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc pour l'instant, je fais des let's play émulation. On fait avec les moyens du bord. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Je pense pas. D'accord, donc j'ai rien. Donc pour l'instant, Roku, les Zigzaton. Pas beaucoup d'originalité dans les Pokémon sauvages. Alors mon bras 0 est vraiment naze. Hein. C'est abusé. Brouillard, ok. Ça fait pas beaucoup.
Ok, donc là il y a un premier combat, je vais me faire fumer. Ouais, donc là. Faut que j'aille voir, peut-être que dans le PC il y a une potion comme dans les autres versions. Bye bye. Je me demande quelle est... J'espère que le deuxième est pas trop balèze. Si c'est un Nidoran, un truc comme ça, je pense que je suis mal. Et bah voilà, allez-y. Si en plus tu loupes tes attaques, mon gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ok. Allez, bye. Ah, il m'aurait fallu un ou deux tours de plus. Ça va être l'épisode de la honte. Je vais l'appeler comme ça, l'épisode de la honte. Après, j'ai pas l'impression que dans les autres versions, dès le début, il y a des dresseurs comme ça avec des Nidorans. Hein. Généralement, c'est plutôt des Pokémon insectes ou des Roku, les Yggdrasil. Puis un Pokémon, quoi, pas deux comme ça. Je me charge des excuses, hein, parce que j'ai la honte intersidérale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se faire entamer par des Pokémon sauvages, on va fuir. Comme ça, on va être bien frais. Pour le dresseur. Bon. Voilà, la malédiction du bouton A a encore frappé pour ma part. Arrête de m'attaquer. J'ai pas été voir dans mon PC. Eh, franchement, faut que je note sur des post-it ce que je dois faire parce que ça me... Dingue. Je suis pas encore trop loin, je pense que je vais carrément retourner au village. Après j'ai mis le jeu est en difficile, je sais pas si ça a vraiment un impact réel sur... C'est peut-être pour ça que les dresseurs sont un petit peu plus chauds. Allez, on va retourner, on est pas loin. Et en plus, vu que je suis de retour sur GBA, je peux speedouiller. Peut-être que je le ferai à certains moments pour fluidifier un peu le jeu. C'est pas ici, ok. Je vais aussi, j'en profite, donc je vais faire, hein, comme je l'ai dit, ma vidéo news ou flash info, je sais pas comment je vais l'appeler. Où je vais présenter les projets pour la chaîne. Et donc voilà, je suis vraiment très près de lancer la série de vidéos sur les cartes, le jeu de cartes en ligne. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que ça fait un petit moment que je joue tous les jours, je récupère des boosters. Le problème de ce jeu, c'est que pour jouer en versus, c'est extrêmement balèze. Ils ont tous des cartes EX de folie. Mais vraiment de... Alors j'ai pas de PC, ok. De folie. Donc pour pouvoir tenir face à ces decks, il faut au début, il faut vraiment galérer, il faut ouvrir un max de boosters. Hein. Donc j'essaye de faire des petits tournois, je fais mes défis quotidiens, je fais quelques versus, je galère. Mais bon, j'ai déjà ouvert pas mal de boosters. En plus, vu que je vous donne les boosters de mes ouvertures, et ben je ne peux pas hyper. Enfin, je passe à côté de quelques boosters quand même. Je vous le cache pas. Mais j'arrive quand même à me démerder. J'ai réussi à faire un petit deck là qui marche pas trop mal. Donc je le spam et puis j'essaye de gagner le maximum de matchs pour avoir le plus de cartes. Ce que je ferai, c'est que je ferai des épisodes de création de deck. Mais principalement, au début, je vais jouer mon deck qui est un deck haut. Qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ce que j'attends, la seule chose que j'attends, c'est que voilà, capturer ça prend... Enfin, capturer ce genre de vidéo prend de la place.
et que le problème c'est que j'ai des super disques durs, enfin j'ai un disque dur d'un tera qui est assez mastoc, mais il a grillé, il a grillé au dernier orage, donc je suis complètement dégoûté. Déjà j'ai pas du tout mes fichiers, et en plus il faut que j'arrive, je vois si je peux le récupérer pour pouvoir stocker des vidéos. Je vous raconte un peu ma vie, hein, mais voilà, je me bats les couilles de toute façon. Moi j'ai rien à cacher, donc je vous dis, je galère. Je suis un clochard, donc j'ai pas de thune pour la capture board. Et si je dois me racheter un nouveau disque dur externe, à mon avis ce sera pas tout de suite. Voilà, voilà. Ok, donc point poison. Allez, on y croit, on y va. Alors ce que j'espère aussi, c'est que le poison n'affecte pas après pendant la marche. Ça va peut-être être short. Ça va peut-être être short, est-ce que ça passe? Ça passe, ok. J'espère que je vais pas mourir du poison dans les herbes. Ce serait vraiment couillon. Alors je vais crever. C'est même plus l'épisode de la honte là, c'est l'épisode de l'humiliation. Bon déjà, le jeu est vraiment clairement moins gamin puisque la mère voilà, s'inquiète. Dans les autres versions, la mère elle s'inquiète limite quoi. Là, elle a vraiment les jetons. Parce qu'en mine de rien, je me balade dans la nature, je pourrais me faire embarquer par n'importe qui. Je suis qu'un gamin, quoi. Oh la vache. Mais je me fais violer, c'est pas possible. Alors ce jeu a sûrement, hein, moi, pour moi c'est une nouveauté. Ah bah il y a tous les Pokémon rats. Alors pour moi c'est une nouveauté ce jeu, je suis tombé dessus, j'en avais déjà entendu parler je crois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup vraiment, enfin il y en a même quasiment aucune, de Acrom en français complète. Et donc du coup moi, je crois avoir entendu parler de celle-là. Il y a sûrement déjà des let's play qui ont dû être faits sur YouTube, hein. Je me fais pas trop d'illusions mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, quand j'ai une idée en tête, je veux faire une vidéo, je ne regarde pas ce qui a déjà été fait. De toute façon, tout a déjà été fait, même si on a l'impression d'avoir inventé la roue. Et ben on se rend compte que quelqu'un a déjà eu cette idée avant. Donc même si c'est pas en France, hein, ce sera sur un autre pays, donc ça sert à rien de s'exciter là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas qui a fait ce genre de let's play, je ne sais pas comment ils les ont fait. Donc voilà, après me dites pas que j'ai copié un tel ou un tel puisque je ne regarde les vidéos de personne. Gamin Ben. Ratata. Ce qui est bien avec cette ROM, c'est vraiment que tout a été changé, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de ROM qui sont juste random, elles sont juste voilà, plus balèzes ou un peu plus what the fuck, mais avec la même trame de fond. Là, c'est vraiment... J'ai beaucoup d'espoir dans cette version. J'espère un peu me guérir de ma déception de Crystal Bleu.
Si vous connaissez d'autres Akrom en français, hein, sur ma chaîne, je ne ferai que des Akrom en français sur Pokémon. Parce que j'ai pas envie d'avoir de plus. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête, tout simplement. Donc, si vous avez d'autres idées de vidéos qui changent un petit peu, enfin de jeu, dites-les moi dans les commentaires. Et je ferai d'abord un épisode test, je pense. Et après, peut-être que je ferai la version. Alors, on vient arriver dans une autre ville. Maurice, excusez-moi. Hein ? Bon sang, pourquoi ce type s'est-il enfui ? Il a laissé un message, on dirait. Le gars laisse les messages. Je sais ce que tu essayes de faire, abandonne, ils sont trop forts pour toi. Je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Bah si les petits gamins dans les herbes arrivent déjà à me fumer, à mon avis. Je pense qu'ils ont fait la team un petit peu plus badass quand même. Voilà, c'est quoi ? Un shop ? C'est bleu. Si c'est bleu, c'est que c'est un shop. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des Pokéballs, des potions. Alors déjà, on va acheter une ou deux potions. On m'a fait la remarque que je n'utilisais pas assez de soins. Donc, je vais soigner mes Pokémon. Ouais, allez. On va prendre 10 Pokémon. Moi, je suis comme ça. Moi, je grille tout mon pognon. Qu'est-ce que lui avait à faire ? Ça se trouve, il y a des trucs classe chez lui. DCT. Ah, DCT dès le début, super. Abri, puissance cachée. On va aller soigner un Pokémon. J'aimerais bien un perche-arbre, mais je n'ai plus de force pour traverser les bois. Ok, un bois. Donc j'aimerais bien apprendre mon attaque feu quand même, ce serait pratique pour les insectes. Et les Pokémon plantes en tout genre. Eh, la petite vache, elle a pas beaucoup de place là. Putain, là, c'est abusé. Que font les associations de protection des animaux ? Qu'est-ce que c'est ? Je me suis installé ici pour me mettre au vert après avoir quitté Égypolis, donc sûrement la capitale du jeu. Tiens, un nouveau visage. Beaucoup de gens font escale à petit près. Alors, j'aimerais bien trouver le centre Pokémon, s'il vous plaît. Le voilà. Il est bien balèze. La Pokéball au-dessus, on dirait un petit peu un œil. Un œil égyptien, là. Hiéroglyphique. Ok. Alors. Oh, mais il y a un truc d'échange en haut. Ah non, d'accord, je me disais bien. Échanger avec Nak. Je peux utiliser le PC. Comment il fait le... Ok, donc c'est les boîtes standards. Déplacer objet, non. Maurice. La fameuse potion, je la prends. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est déjà à 33, presque 34 minutes. C'est un épisode un peu long, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est le premier. On a eu l'occasion de découvrir le jeu. On a vu à quel point j'étais une bille et que j'avais pas énormément de chance. Oh, c'est bloqué. Y'a quoi, un Kecléon là? C'est peut-être juste un bug. Alors, on a eu l'occasion de voir les Pokémon dans les zones. On a eu l'occasion de voir que la difficulté était quand même un petit peu au-dessus des jeux habituels. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se laisser là. Comme je vous l'ai dit, je vais... arrêtez de tourner, je ne tournerai pas d'épisode. Je vais attendre vos retours dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez, vous avez vu un petit peu les Pokémon qu'il y a, ce que vous voulez voir dans mon équipe. Donc voilà, ce que vous voulez, est-ce que ça vous intéresse, un Rookool, un Rattata ou un Fouinette. N'hésitez pas, balancez-moi vos idées, balancez-moi vos idées de surnoms aussi. S'il y en a qui sont rigolos, je les utiliserai. Voilà, oups. Pensez vraiment rigolo, voilà. Moi j'ai envie de rigoler là, donc allez-y, faites-moi rêver. Si ça vous a plu, le petit pouce, et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait, pour voir la suite de ce let's play, des autres let's play, des ouvertures, des théories, un petit peu de tout sur ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, c'était Maconnier Minou, musclez-vous bien, allez-vous muscler, c'est très important, et je vous dis à la prochaine, bye bye!